suis ravi de vous accueillir ce matin. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je viens à l'IFM depuis plus de 20 ans et c'est un rendez-vous que je manquerai pour rien au monde. Je retrouve cette ambiance que j'avais connue il y a quelques années dans ces rencontres qui sont vraiment fondamentales et qui permettent à tous de progresser. C'est une des rares instances en France où et commerçants et vendeurs partagent un intérêt commun. C'est, je crois, un des rares endroits où on est capable de concilier une vision un peu long terme. Et Dieu sait que dans ces périodes de turbulence, prendre un peu de hauteur, c'est très important. Certainement, un des plus grands rendez-vous dans ce genre de manifestation. Ça permet de nous rapprocher de nos clients, d'une part, et de connaître aussi les besoins des industriels. On est au cœur d'un forum entre les distributeurs et les industriels. Donc on va prendre un peu la température sur les grandes tendances. J'ai envie de faire partager ce qui me semble être le bon commerce. Et en général, c'est aux journées annuelles qu'on le montre. Et en tous les cas, j'y participe à ma mesure. Il y a d'excellents sponsors de ces journées annuelles du merchandising et que du coup ça permet de boire un verre en toute convivialité et avec modération. Les langues se délient et voilà, c'est ce qu'on apprécie à l'IFM, donc on sera rempli encore une fois. C'est important d'y être, voilà, pour toutes ces raisons-là, j'y suis cette année. Voilà. C'est quand même le rendez-vous de la communauté industrielle distributeur. Il faut y être, c'est vraiment l'endroit, et on l'a vu là depuis deux jours, où s'échangent quand même 10 idées à la minute. La 40e édition va forcément être encore meilleure que la 39e.